Mariée depuis un an et demi avec Samuel Benchetrit, Vanessa Paradis est supposée ne pas avoir signé un contrat de mariage, une erreur déjà commise par Johnny Depp. Et en cas de regrettable rupture avec Samuel Benchetrit, une somme rondelette serait versée, 10 millions d'euros. C'est le montant évoqué non seulement par le magazine Oops, mais aussi par Clever, qui annonçait l'éventualité d'un divorce à 10 millions d'euros sans pour autant alimenter dans ses pages intérieures des dissociations entre la chanteuse et son beau réalisateur, qui serait confiné dans les somptueux domaines Les Sources en région parisienne. Pour appuyer ce chiffre, l'éventualité que Vanessa Paradis verse une compensation est avancée. Il s'agit d'une indemnité destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. Cette somme peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Mais d'après Gala, Vanessa Paradis exclut toute idée de divorce et veut reproduire le schéma de ses parents et d'aller de sa déclaration choc pour briser le coup au ragot. Ils s'aiment comme des acrobates, soudés et gracieux. Ils s'aiment sans se casser la gueule, avait-elle confié à leur sujet.